Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 13 mars, la Sainte Église célèbre Saint Sabin, évêque et martyr de l'an 303. Écoutons la vie de Saint Sabin, une vie pleine de zèle apostolique et une grande foi pour son Seigneur. On ne connaît ni l'origine ni la jeunesse de Saint Sabin. Mais on sait que, devenu évêque de Spolète, il fut un homme plein de zèle pour la conservation de la foi et que ses exhortations soutinrent le courage des chrétiens au temps de la persécution de Maximien Hercule. Ce fut la cause de son arrestation. On voulut le forcer à adorer une petite statuette de Jupiter. Mais il eut le courage de la saisir et de la jeter sur le sol où elle se brisa. Le tyran lui fit couper les mains. Deux de ses diacres, qui avaient été pris avec lui, furent tourmentés en sa présence sur le chevalet, rompus à coups de bâton, déchirés avec des ongles de fer et brûlés avec des torches ardentes. Sabin les encouragea jusqu'au dernier moment. Dans sa prison, il rendit la vue à un aveugle. Le juge, ayant eu un grave mal des yeux pendant un mois, apprit ce miracle et vint demander soulagement à sa victime. L'évêque lui promit sa guérison s'il recevait le baptême avec toute sa famille. Il le fut aussitôt guéri et donna bientôt généreusement sa vie pour la foi avec sa femme et ses enfants. Sabin subit l'interrogatoire d'un nouveau juge et expira sous les coups horribles de fouet plombé. Saint Sabin, une véritable vie de sainteté. À tous ceux qui portent le prénom de Sabin, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructueux temps de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.